J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur. Asperge et un parfum, rouge à lèvres et carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses billes, des courbes manuscrites comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paf, des petits plans sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. J'aime pas les nonnes et je suis tombé amoureux. Amoureux. Sur la falaise, où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à la poste un matin du dimanche. L'endroit était désert, qu'il faudra être patient, des plombs des suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux pas de Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par les hanches ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant. J'y fais sous le nombril, et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Le bien qu'il me nomme papa, s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'elle me nomme papa, s'il le veut. S'il le veut. Bisous les abonnés.